Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle sélection dans laquelle je vais vous présenter les meilleurs tailleurs. Je vous ai mis les liens des produits avec les meilleures offres en description, vous pouvez aller voir tout ça. Et sinon, passons maintenant à la présentation. Commençons donc par le tailleur de Bosch Home & Garden. Voici un tailleur génial qui est tout simplement un tailleur sans fil qui pour moi sont les plus pratiques. Rapport qualité-prix très bon. Puisqu'on a ici un tailleur à moins de 115 euros en ce moment grâce à une promotion de 24%. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est vraiment le top. Si par ailleurs vous avez déjà la batterie Bosch, ce qui est possible, eh bien vous pouvez commander aussi le modèle sans batterie, ce qui vous reviendra à moins de 90 euros. Donc ça c'est vraiment pas mal, parce que oui, sachez que si vous n'avez pas de batterie Bosch, eh bien si vous, une fois que vous avez celle-là, en fait vous pouvez acheter d'autres appareils Bosch qui fonctionnent sur batterie, et c'est la même batterie, ça fonctionne avec tous les appareils Bosch de la gamme jardinage bricolage, donc c'est vraiment top que ce soit perceuse, visseuse, disqueuse, voilà, et tous les autres appareils de ce type, eh bien ça fonctionnera, donc ça c'est vraiment top. Pour le reste, eh bien ce tailleur est vraiment super pratique, il est léger, il est quand même assez puissant, donc il va permettre de couper facilement n'importe quel type de branche. Voilà, c'est un modèle avec une lame de 45 cm de long. Donc voilà, c'est pas forcément les plus grands modèles à 60 cm, mais ça fait vraiment l'affaire pour un petit jardin, pour des petits arbustes. C'est vraiment le top du top. Puis on retrouve le tailleur de Gardena. Là aussi, on a un tailleur sans fil, super pratique avec ce modèle de Gardena. Voilà, encore une fois, donc l'avantage, c'est que c'est un modèle léger. Donc là, on est sur du 3 kg. Le modèle précédent était à 2,5 kg, donc ça se voit un petit peu. Ici, c'est un petit peu plus lourd et c'est justifié pour le fait justement d'avoir une lame beaucoup plus grande de 60 cm. Voilà, ça peut être plus pratique, notamment pour les personnes qui ont quand même des arbustes un peu plus grands chez eux, ça évite de devoir vraiment prendre trop de temps à couper. Pour l'autonomie de cette batterie, eh bien c'est très bon, c'est à peu près 1 heure. Donc ça permet de couper à peu près, la marque indique donc 188 mètres carrés de haies, ce qui est relativement le cas. Voilà, les estimations sont bonnes. En plus, eh bien de toute façon, c'est pas très compliqué, une fois que vous n'avez plus de batterie, il suffit d'aller la recharger, vous faites une petite pause et vous pouvez ensuite reprendre après manger l'après-midi ou après votre petite pause. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça, donc ça c'est vraiment génial. La lame est vraiment bien faite, très robuste, et sachez aussi encore une fois qu'avec la batterie, vous pouvez avoir la batterie qui fonctionne pour tous les autres appareils de cette gamme jardinage et bricolage. Sachez aussi qu'en ce moment, ce modèle est en promotion avec 23% de réduction, donc il est à moins de 150 euros au lieu de plus de 190 euros. Et pour conclure, voici le tailleur de Makita. Attention, je précise directement que ce modèle n'est pas livré avec la batterie Makita. Encore une fois, c'est le même principe. Si vous avez déjà des appareils Makita à batterie, eh bien vous n'avez pas besoin de racheter de batterie, ça fonctionne avec la même batterie. Sinon, il suffit d'en acheter une de batterie Makita. Voilà, ça se trouve un petit peu partout. Même sur Amazon, évidemment, il n'y a pas de souci à trouver ce genre de batterie. Donc ça, c'est top. C'est un modèle qui est génial, anti-vibration, moteur puissant, 3 vitesses que vous pouvez régler en fonction des arbustes que vous coupez. Ça permet, si par exemple vous coupez des petits arbustes, eh bien ça évite de devoir mettre une grande puissance et de dépenser de la batterie pour rien. Donc ça, c'est top. D'ailleurs, l'indication de la batterie, de la vitesse, tout est indiqué sur le petit écran, voilà, du modèle. Ce qu'on apprécie aussi particulièrement avec ce modèle, c'est que la poignée peut être tournée. Donc ça permet tout simplement d'avoir une meilleure prise en main, une meilleure ergonomie et de ne pas avoir à se tordre dans tous les sens pour couper son arbuste. Donc ça, c'est vraiment génial. Le rapport qualité-prix est très bon. Évidemment, c'est silencieux. Ça, c'est pas comme un modèle à batterie, pardon, à essence. Donc voilà, ce genre pour moi de modèles à batterie sont géniaux parce que déjà, on a une batterie pour tout. C'est économique, c'est écologique, c'est génial. Voilà, merci d'avoir suivi cette sélection, j'espère vous avoir été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous le rappelle aussi, je vous ai mis les liens des produits avec les meilleures offres en description, vous pouvez aller voir tout ça. Et sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.